La première partie du voyage se passe sereinement. Sylvie, Patricia et Lucette ne sont pas très bavardes. Elles appréhendent la correspondance à Paris, une ville qu'elles ne connaissent pas du tout. Comment ils sont tagués ? Les abords de la capitale ne vont pas les rassurer. C'est l'horreur, comme dans Banlieue 13. Oh, ça tue. Allison est la seule à connaître un peu les lieux. Elle va donc prendre immédiatement les choses en main. Pour commencer, il faut trouver le RER pour se rendre à la gare de Lyon. C'est lequel, le D qu'on cherche ? Le D, oui. Commencez par là. C'est le M. Alors là, je sais pas. Alors c'est dans Paris. T'es sûr, hein ? Bah, je sais. Mais non, t'as fait ticket métro plus bus. Là. Là, je suis bon. Dans Paris. Mais t'es dans Paris, je sais pas. Mais ça m'a donné son ticket ! Mais c'est pas là ! Encore un descendre. C'est tant bien que mal que toute la petite bande se retrouve sur le quai du RER. Oh, Mehdi est enthousiaste, ce qui n'est pas vraiment le cas de Sylvie. Elle est claustrophobe et déteste les milieux sombres et confinés. J'ai chaud. Aussi, j'ai des bruits de chaleur. Ah ouais, on peut pas respirer. La foule, le manque de place et les tunnels ne vont pas arranger les choses. Plus le temps passe, plus Sylvie est au bord du malaise. Heureusement pour elle, le trajet ne dure que quelques minutes. Alors ça a été pénible pour moi l'enfermement et le RER parce que je suis claustrophobe, donc j'ai dû prendre sur moi. Ouais, ça m'a fait mal au cœur de voir ma mère comme ça, c'est ma maman. Et c'est vrai que j'étais pas bien pour elle. J'ai vraiment eu peur. Sylvie est soulagée, mais pas Lucette et Patricia. Elles sont en train de vivre ce qu'elles craignaient depuis longtemps, arpenter les couloirs du métro. Elles n'ont qu'une peur, se faire voler quelque chose. Pas question de se laisser aider par un inconnu pour porter leur bagage. Non, ça va aller, monsieur, merci. Vraiment aimable. Alors, je mets où ? C'est tout juste, hein ? Il est parti ? Mais dis-moi, il est parti. Non, qu'il nous suit comme ça, le gars, ça fait peur. Il est parti, qu'elle m'a dit, Lucette. Le gars. Ouais. On avance les filles parce que... C'est sans perdre de temps qu'elles vont se précipiter dans le train qui va enfin les emmener vers le sud. Tout ce stress a été épuisant. Lucette va donc sortir de son sac un thermos de café pour réconforter tout le monde. Dur, dur. Le pire, c'était le RER. Tu l'as passé combien ? Je l'ai passé, j'ai pris beaucoup sur moi. Mais ça fait quand même un peu peur hein, quand on n'a pas l'habitude. Ouais. Faut le dire sincèrement, ça fait peur quand même. Les escaliers, surtout qu'on a les bagages et tout, c'était trop... J'ai cru que j'allais tomber à un moment. C'est vrai. C'est pareil. Franchement, comme on dit chez nous, j'ai vu mon grand-père.